Appelle maman. Comme tu vois son père. Eh oui, qui ça? Bouh. Bouh. Kenan, maman? Maman? Maman. Maman. Toi tu es mon fils, toi tu es mon fils. Maman. Je t'aime. Moi je t'aime. Allez Kenan. Maman. Papa. Papa. Voilà. Mesdames, la nouvelle collection de chez Blue Shop est disponible avec un look rentré, look automne d'ailleurs, parce que l'automne c'est dans un mois, hein. 100% Blue Shop. Du chapeau au cuissard en passant par le petit haut et la chemise. Et c'est canon. Avec mon fils, mon petit ange, on va aller retrouver Mima. Du coup, bon, ben, je range mon matos parce qu'il fallait bien que mon petit monsieur il mange. Donc il a fini sa purée avec tous ses yaourts et il nous fait bien remarquer, surtout au resto. On kiffe. Voilà la table du restaurant. Habituellement, ici, que le petit téléphone ou le petit sac ou ton petit étui. Là, c'est tout différent. Mais on kiffe, on kiffe. Un petit peu de mozza pour monsieur qui se régale. C'est bon, mon amour? Ok, ok. Alors, je lui mets vraiment genre ça, quoi. Et en plus, la sauce tomate, elle est très douce. Elle n'est pas acide. J'ai mon gâté. Oi, 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 que c'est bon, les saveurs italiennes. Et il a vu le flash, il a arrêté. Maurice, tu vois comment il a mangé? Et tu meurs de rire. Il a fait bébé poil. Oui, ma petite bouche. Oi, oi, oi. Coucou. Coucou. Tu m'amènes où, mon fils? Aïe, aïe, je rêve. Dites-moi que je rêve. Papa en plus. Je suis en pleine hallucination. Je suis en pleine hallucination. Salut les meufs. Alors vous faites quoi? Vous voulez parler de quoi, vélo? Ah ben moi je veux bien. Allez monte. J'arrive. Allez. Mes cheveux, ils repoussent grave. Je suis pleine de petites repousses entre ici, là aussi, là. Ils ont grave repoussé, je suis contente.
La direction, un petit cassage de ventre. Je dirais même un gros cassage de ventre. Tout ce que j'aime. Mais vraiment tout ce que j'aime. À midi aussi, j'ai mangé dans un très bon endroit. C'est un petit resto italien qu'on a ici qui est très 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 bon. Il s'appelle Babo. Excellent. Alors ce soir, c'est un tout autre style. Ça n'a rien à voir. C'est pas un restaurant. Mais c'est plus plus. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous repartager dans là les bons plans un petit peu des restos. Parce qu'entre temps, il y en a qui ont un peu changé. Il y en a eu des nouveaux aussi. Et là où je vais ce soir, enfin l'endroit où on va, je sais que vous me l'avez pas mal réclamé parce que vous ne l'aviez pas noté. C'est pas cher, c'est rapide et c'est... Je pleure. Ça fait 2 mois quand même. Elle dit on va bientôt manger le sandwich. Allez viens, on y va bientôt. Je vous promets, on est venu exprès. Et moi dans la voiture, je dis imagine c'est fermé. Parce qu'ici, c'est, je crois, le meilleur sandwich que j'ai mangé. Eh merde hein. Il sait pas ce qui se passe, lui. Mais ta maman, elle est dégoûtée. Je vais mourir. Je vais mourir. On est venu, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Que c'était trop bon, que j'en avais trop envie. C'était pour venir manger le sandwich à l'ancienne, à Cassis. D'accord, que je vous ai partagé la dernière fois. Dans la voiture, je me dis, imagine c'est fermé, je vais sur Google, je regarde sur Google, j'ai ouf, non, c'est ouvert, c'est le mardi que c'est fermé. J'en meurs d'envie. Attends, non, non, les trucs là. Aïe, ça, j'arrive pas, les boules, elles sont là. Regardez, on arrive devant. Et en plus, il y a marqué exceptionnel. Et comme par hasard, moi et ma chance nationale, fermeture exceptionnelle du lundi 30 août au mercredi 1er septembre. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de... Je suis dégoûtée. Dégoûtée toute la journée. Je me suis conditionnée à manger ça ce soir. Oh, ta réaction sur la tête de ma mère, mieux que si j'avais mangé le sandwich. J'ai plus fait. Mais je suis dégoûtée. Si je commence à mordre ta tête quand tu as vu ça. Quelle âge. Maman, elle est triste. Sur ma vie, elle a regardé le snack. Elle s'est dit non, c'est. Il disait, ça a coupé. Elle regardait le snack, on lui a dit c'est fermé. Je vous promets, dans ses yeux, elle disait non, c'est un prank. Ils sont derrière, ils vont ouvrir. Plus de voix, faut que ça passe. Il va faire un petit tour sur le port, histoire que la pilule passe bien. Il me semble pas de faire le retour avec dans la voiture. Et merde, c'était fermé. Donc voilà, fait un petit tour. Digère ton sandwich que tu as pas mangé. Aïe, Camilla, je pleure ta réaction. Faut que j'arrête de rigoler parce que je vous promets qu'elle marronne. Et là maintenant, elle m'a dit, bon, viens, on va prendre des churros. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, on a plus de pâtes, on l'a refait. Désolé, on a plus de pâtes. Yacine, tu nous as dit quoi? On va au sandwich. Fermé. Ouais. Ils m'ont dit, on va au churros. Fermé, il ouais. Y en a pas. Ouais. Ouvert, mais il y en a pas. Allez. L'expérience, on rentre. Allez, on rentre. Allez, voilà. Comme ça, c'est réglé. Une soirée qui a duré 15 minutes, même pas. Je crois que le parking, on l'a pas payé encore parce qu'on l'a fait plus vite que le parking. On est venu à la station, on repart à la station. C'est le seul bon coup de la soirée. Il est choqué, il sait pas ce qu'il a. Je me suis mort depuis tout à l'heure que je me moque d'elle. Allez, viens, je vais te faire un méchant tourneau d'eau frites. Viens, on rentre. On va acheter 2 baguettes. Il y a de la viande hachée, je vais faire ça. Ah, elle m'a tué. Bon, la pilule, elle est en train de passer. Je vous cache pas qu'elle est passée assez difficilement. Quand même, c'est long. Mais elle est passée. Wow. J'ai du coup décidé de les faire maison, ces steak frites. Alors attention, chez là-bas, là, à Cassis, il y a toujours ce petit truc en plus que je sais que je ne retrouverai pas chez moi. Cependant, je pense qu'avec bon steak, des bonnes frites allumettes, salade tomate, pas d'oignon, et de la mayonnaise à l'ancienne, vous savez le gros pot le sueur là. Je pense qu'on peut faire quelque chose de quand même relativement sympa. Voilà, je vais même tenter de leur faire le panini un peu comme. T'imagines quand à leur même façon. On dirait un entraîneur de foot qui parle, qui est en conférence. On peut faire quelque chose de relativement sympa. Je pense que les frites ont un peu débordé sur le côté. Mais en seconde période, on va se reprendre. Si on espère que le steak rentre en forme et que la salade tomate oignon joue un peu plus ce collectif. Sans oignon, voilà. On a dit. Il n'y a pas d'oignon dans celui que je prends cette fois-ci. Que la salade tomate joue pas avec les oignons. Voilà. Je pense qu'on devrait avoir une bonne équipe. Tu es malade, tu as fait quoi. Donc je vous montrerai la gueule de mes sandwichs. Bon, après, je doute pas qu'ils soient bons. Hein.
Et ça va un petit peu, tu voilà. Quoi le... J'ai pas de doute sur le fait qu'il soit quand même bon. Ça va. Je vais me retrousser les manches. Et intérêt que le groupe soit présent, parce que sinon. Parce que sinon, je vais me faire terminer. Il y a une famille à nourrir, les gars. Là, on n'est pas deux, là. Non, mais on va faire quelque chose de sympa. Soit on n'a pas le choix, et on ne sait pas trop sur quoi se rabattre, vu qu'on avait envie de ça. Donc, on va se les faire nous-mêmes. Voilà. Elle a voulu le steak frites et elle a eu. Bon, ben voilà. En plus, c'est du fait maison. Là, on peut t'imagines se prendre. Entre le prix du péage et du parking, c'est comme si on avait mangé au snack. Hein. Voilà, c'est ça. À la maison. À la maison, voilà.